Nous sommes mercredi, un des jours retenus pour la désinfection des marchés d'Omanou, l'une des mesures édictées par les autorités pour lutter contre la pandémie de Covid-19 dans les milieux à forte fréquentation humaine. Pourtant, dans la plupart des marchés de Pointe-Noire, aucune équipe habilitée n'est perçue et cela dure depuis des mois à en croire les usagers comme se trouver au marché de l'OCH et de la foire. Vraiment, en tout cas, j'oreille. Ces derniers temps, ceux qui sont chargés de cette opération ne viennent plus. Et cela nous fait mal alors que la maladie existe encore. La mairie doit fournir des efforts pour relancer la désinfection des marchés. La maladie est là. Il ne vient plus. Ça fait beaucoup de mois, il ne vient plus. Les gens de la mairie ne viennent plus faire ça. C'est pas bon. Il faut qu'ils viennent faire leur respiration. Si Mugena Boma, malade que tu étais. J'ai peur de la maladie, puisqu'elle est encore présente et cela nous fait beaucoup de peine. D'aucuns se demandent pourquoi cette discontinuité de l'opération de désinfection des marchés d'Omanou à Pointe-Noire, alors que le gouvernement a alerté récemment sur un regain des contaminations au Covid-19 dans la capitale économique. Il ne faut pas désinfecter toujours parce que maladie, quelle est non ? Ils doivent toujours désinfecter les mercredis et les dimanches, puisqu'on dit que la maladie sévit toujours. Mais ils ne passent plus. Nous qui vendons, nous sommes exposés à la maladie. Parce que, peut-être que attraper maladie. La réponse à cette préoccupation des usagers des marchés d'Omanou nous viendra sans nul doute de la direction en charge des questions de l'environnement de Pointe-Noire, à qui incombe la responsabilité de l'opération de désinfection des marchés de la place.